Le soleil tombera. Rejoindre le palais du soleil à méridien. Ouais, cheveux turquoise. Alors. On va se TP ici. Ça sera plus simple. J'espère que tu vas bien. Avec la petite musique bien suspense. Salutations. Salutations. Une éternité que je ne me suis pas reposé. Bon alors. Traître, pas traître, il y a quelqu'un qui pue, il y a quelqu'un qui pue pas, qu'est-ce qui va se passer? Avad! Ton homme irréprochable, je suis sûr qu'il pue la merde. Je sais pas pourquoi, mais lui je l'aime pas. M'inspire pas confiance. J'ai envoyé quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Si jamais ton clan ou toi avait besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. On verra tout ça plus tard. Aloy. Ne me demande pas où aller si tu es perdu. Heureux de te voir. C'est bien triste pour Ersa. Apprendre qu'elle est en vie, puis la perdre, que c'est cruel. Elle voudrait pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Ouais, bah veut mettre feu et à son méridien, quoi. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée, envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval. Mais pour Elund le forgeron. Vous avez déjà entendu ce nom ? Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs Océras m'ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Ah, en fait... Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. Le prendre vivant, pour que tu puisses leur vendre, c'est hors de question. Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Ben non. Je suis désolé. Un instant. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si RN de Nantes, divisé pour mieux régner. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Ersa. Ce que je comprends très bien. C'est pas à moi de te le dire, mec. Mais comme justement je ne sais pas ce qui s'est passé, cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert ? Ce n'est plus elle qui souffre maintenant. C'est vous. Vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Ça se voit tant que ça? C'est vrai. Ma douleur me hante. Plus que tout. Et je ne vois qu'une chose qui pourra m'apaiser. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes.
Je ne veux pas te faire perdre plus de temps. Eren t'attend à l'entrepôt. C'était pas à moi de lui dire, de toute manière, donc je lui aurais absolument pas dit. Elle lui a pas parlé de lui, déjà. Elle lui a juste dit, hey, Eren, fais ton boulot. Puis basta, quoi. Elle a juste mentionné son nom, mais pas genre, dis-lui que je l'aime, hein, on s'en fout, quoi. Ouais, pas le temps pour jouer les pleureuses. Discutons un peu. Allez. J'ai rien à vendre, moi. Vendre. Voilà. Et c'est tout. Ça, après... Je n'ai rien à vendre. La plupart des roturiers prennent les ascenseurs pour descendre dans leur village le soir. Mais du coup, attendez, parce que je suis en train de dire une bêtise. Ouais, voilà. Ah, voilà. La femme, elle est partie. Qu'est-ce qu'on va faire, les raids? Ouais, voilà, ça. Hein? Journal apocalyptique de... Apocalypse merdique. C'est ici. T'es là, Derval? J'ai une surprise pour toi. Oh, ben rien, lui. Des bombes. Non, c'est pas ça. Du gaz. Il y a une surprise pour nous. C'est une bombe. Elle est pas bien grosse. Assez pour nous tuer. Ok. Je me tais. De la flambée. Il doit y avoir un réservoir qui fuit à l'étage. Si j'essaie de la démonter, le mécanisme va l'amorcer. Ça se trouve, j'ai déjà croisé Eren. Pas maintenant. Si la bombe ça explose, fait beaucoup de flambées. Cette flambée embrasera toute la ville. Si jamais la bombe en bas explose, l'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. On doit absolument empêcher ça. Ça peut se casser, ça? On peut pas. Si on peut se débarrasser de cette flambée, l'explosion sera contenue. Bah, je veux bien, moi! Vous allez pas me dire que ça va jouer? Alors, attendez. Ah non, c'est pas des balles explosives que je voulais. Moi, c'était un truc qui fasse de la glace. J'ai pas une arme qui fait de la glace, moi. Oh la merde! Vous allez pas me dire que je me suis... Ah, fouiller l'entrepôt, d'accord. Pourquoi pas? Ah d'accord. Il y a un mécanisme là, c'est pas ça? Ces attaches sont en bois. Pas très résistant. D'accord. Ah, pousser la flambée par la fenêtre. D'accord. Aide-moi à la sortir. Ok. Tout en force, je sais faire. Ça fera quoi? Ça sauvera la ville, j'espère. Mais quand la flambée tombera, prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée. Et on va survivre? Je pense pas. On pousse. Ah, je pensais que ça allait tomber dans l'eau, en fait. On l'a fait.
Le plan de Derval est déjoué. Et Méridian sauvé. Attends. C'est pas terminé. Ouais. Derval voulait absolument qu'Avad y assiste. Impossible. Il faudrait qu'il entre dans le palais. Il est trop bien gardé. Sauf si Derval... Je vais fouiller les lieux. Les hommes de Derval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Ça marche. T'inquiète pas. S'il tente d'entrer dans le palais, il est mort. Ouais, enfin moi je pense surtout que le mec il a dû se déguiser en vieux prêtre pérave et que... L'irréprochable, moi je vous dis ce mec il pue, c'est... Des empreintes de pas, avec de la flambée. Étrangère. Non, on n'a pas le temps. Mon esprit est ailleurs. De la fumée s'échappe du bord de la Mesa. Est-ce qu'on nous attaque ? Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval ? Il doit bien y avoir un bouquin, non ? Bah, et ça ? Ou alors c'est là ? Bah non, pour moi ça mène à la bibliothèque. Ah, c'est bien ce qui me semblait. C'est chez Olin ça, non ? Ah non, c'est pas chez Olin. Comment on accède à l'étage où... Ah voilà, au sous-sol, pardon. Ah non, je pensais que c'était chez Olin au départ. C'est sûrement là que Derval a fabriqué le détonateur. Oh non, il a détruit le mur. Derval a bien trouvé un moyen de pénétrer dans le palais. Putain, je suis quasi sûr que c'est ça. Ah non. Derval. Ah, il a un... Comment on appelle ça ? Mince, j'ai bouffé le nom. Non, 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 par là, on n'a pas le temps. Allez, hop. Allez ! Ah, donc c'était par là. Faut descendre ou monter, là ? Ah, ça va me prendre la tête. Non, faut descendre. J'aurais pu... J'aimerais bien être là-bas pour voir le dieu soleil à genoux. Arrête de râler, imbécile. Faut bien que quelqu'un surveille l'arrière. Surveille plutôt ton arrière à toi.
Ah, c'est stylé. Ah, mon cher Avad. Le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père. Alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler les Karjas, mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridian, Avad. Respire la fumée. Et étouffe-toi des cendres. Ça ne marche pas. C'est le moment. Ce petit sourire mesquin. Je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la Mesa. Non! Ça devait être un incendie, pas une flammèche de feu de cheminée! Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est alors toi, c'est la Nora, toi qui a piégé mon camp, non? Ouais! Neutraliser ta bombe. Tiens donc. Eh bien, bon ou pas, je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien d'abord, puis celui d'Avad. J'ai pas peur! Vers le sale. Aou. On peut se dépêcher. J'ai un dieu. Aou. J'ai dirigé une armée. Abattu des soldats et des ravageurs dans une vulgaire sauvage. J'ai dirigé une armée. C'est pas encore terminé, Nora. Tout bon artisan au Séram te le dira. Il faut toujours avoir trois plans. Ah, les étincelles, voilà. Bon, ça c'est le deuxième, mais alors le troisième plan, c'est quoi? Ah, puis ça va être les gros en plus. Ah. Oh. Repéré. Ah, les majestueux, les redoutables étincelles. Ouh non. D'où est-ce qu'il me parle, lui? Pourquoi s'embêter quand une machine peut faire les choses à votre place? Silence! Voilà, j'aurais pu la shooter, l'autre. Contest. Pourquoi s'embêter quand une machine peut faire des choses à votre place? Ah, les pages.
What you gonna do? Pas de place. Bon alors c'est quoi le troisième plan? J'aurais tellement préféré qu'Ersa soit là pour t'abattre. Mais je vais le faire, pour elle. Vas-y. J'ai pas peur. Te connaissant, Eren, tu vas échouer. Éclate-lui la gueule! Non, mais non... Je sais de quoi tu as peur. Rentrer captif à Prime Source. Tous les clans de la Requête veulent ta peau. Ils sauront faire durer le plaisir. Et ils se battront pour t'avoir. C'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de tuer. Silence! C'est le Roi Soleil qui décidera de ton sort. Faites-lui une jambe! Ah non. Oh! Déception. Bien joué, petit homme. Bien parlé, tu es digne du frère de ta sœur. Il va se faire accoucher... Il va se faire coller au poteau, puis ça va être... la torture des mille couteaux, comme le temps de Mao Zedong. Parler à Vad, parler à Eren, parler à Derval. Oh, cool. Salut, Derval. What the fuck are you? Il est où, Derval? Là. Et Derval... On n'est pas obligé, d'accord. Donc je vais déjà parler à lui dans un premier état. Aloy, dire que je te suis reconnaissant serait bien en dessous de la vérité. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Méridian. Et Eren aussi. Et grâce à toi, justice sera rendue pour Ersa. Nous pourrons faire notre deuil, sans cette horrible incertitude. Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans toi. Je ne veux pas l'imaginer. J'aimerais que tu restes définitivement à Méridian. Est-ce que Ersa et vous... Enfin... Tout le monde voit bien que j'ai des sentiments... Ou avait des sentiments. Elle ne me donnait pas que des conseils. Elle me donnait de la force. Mais nous étions maudits. Les relations entre les Karja et les Océram à Méridian étaient trop compliquées. L'union d'un roi soleil et d'une guerrière Océram aurait inévitablement provoqué une rébellion en ville. Et sans aucun doute une guerre de clans. Est-ce que quelqu'un savait? Quelqu'un, oui. Derval. Il aimait Ersa, mais elle l'avait rejeté. Ah, c'est une guerre de sentiments. Et toute cette jalousie est devenue un motif supplémentaire à sa haine. Ouais, d'accord. Lol. Hashtag déception. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va advenir de Derval? Pour l'instant, il croupit dans l'un des anciens cachots sous la fosse, ici à Méridian. Quant à ce qu'il attend quand nous aurons négocié son extradition à Prime Source, je ne veux pas y penser. Mon père avait beaucoup d'imagination en matière de torture. Mais les Océram ont des instruments qui dépassent ses pires idées. Quel gâchis. Derval est un homme brillant. Je me demande ce qu'il aurait pu accomplir si mon père n'avait pas existé. Pourquoi vous voulez que je reste à Méridian? Il me semblait que c'était évident. Pas pour moi, non. Eh bien, pour commencer, tu as évité que notre ville soit anéantie. Tu es forte, rusée et très douée. Il serait bien que j'aie quelqu'un comme toi à mes côtés. Hyper Ersa, tu sais, il veut se faire une meuf à côté. Ah non, merci. J'aimerais être bien certaine d'avoir compris ce que vous venez de dire. Vous venez de perdre Ersa. Une femme qui était à vos côtés et qui était indéniablement forte, rusée et très douée. Je ne suis pas Ersa. Vos sentiments pour elle ne font pas de doute. Et vous me proposez de la remplacer. Vous parlez de son poste ou de sa place?
Par le soleil, tu as beaucoup en commun avec Ersa, dont ce don pour repérer l'impudence. Bon, je te présente mes excuses. Je dois perdre un peu l'esprit. J'ai besoin de temps pour accepter ce que je ressens. Tu as ma gratitude éternelle, Aloy. Et à terme, j'espère apprendre à te connaître. Restons-en là pour l'instant. Il est temps que j'y aille. Bien sûr. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Et si besoin, je serai là pour t'aider. Aussi sûr que le soleil brille. Vous voyez, ça par contre, c'est une des choses très intéressantes. Le fait qu'on ait un héros féminin, c'est qu'on a un petit peu ce côté tendre que l'on n'a pas, en fait, si vous voulez, chez les héros masculins, quoi. Bien entendu, que ce soit Nathan Drake, Solid Snake, ou n'importe quel autre protagoniste de jeu vidéo un peu aventurier, ou tout ce genre de choses, c'est qu'on n'a pas un peu ce côté mielleux des personnages qui tentent de draguer le personnage principal ou d'en faire voilà, là, ouais, tu sais, t'es plutôt pas mal, voilà, t'es bonne, et voilà, ma meuf est morte, mais bon, il en faut une autre pour remplacer une autre, quoi, tu vois, une de perdue, 10 de retrouvée. Et mais par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'hormis le cliché qu'ils ont mis autour de la fille, je vais pas dire de la femme objet, parce que dans le cas d'Horizon, ça rentre pas en ligne de compte, parce que, bon, même si Eren, par exemple, il lui avait fait un petit peu de dragouille, etc. Ce qui met un petit peu le pied de nez à tout ça, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de faire un petit peu de Aloy une personnage, je vais pas dire féministe parce que pour moi c'est pas le cas, et j'ai pas envie de rentrer dans ce sujet à la mort moelle-neuve qui ne présente aucun intérêt à mon sens. Mais on a quand même une fille bon qui a eu un passé relativement difficile et qui a, je vais pas dire un cœur de pierre, mais qui a de la poigne, qui voilà quoi. Une fille au caractère fort et qui se laisse pas mener et qui a autre chose à foutre que de perdre son temps avec des sentiments. Et je trouve que bah, la réponse de Aloy était plutôt pertinente et plutôt intéressante parce que malgré que le personnage soit féminin, elle permet de donner un pied de nez un petit peu au cliché. Et de dire voilà, c'est pas parce que je suis une gonzesse que tout de suite faut me prendre comme une mielleuse, tu me prends comme une nana qui se bat normalement pour ses propres intérêts quoi, on va dire. Donc c'est intéressant. Aloy. D'avoir une Aloy qui a de la poigne. T'es en train de penser à Ersa. Elle aurait abattu Derval. Je le sais. C'est pour ça qu'elle est allée le voir, pour l'éliminer. Elle m'a aussi dit de grandir. J'avoue que ça m'a fait mal sur le coup, mais je fais de mon mieux. Et grandir, je crois que c'est faire passer son devoir avant ses envies. Non. C'est à moi que tu demandes. T'es plus vieux que moi, pourtant. Oui, mais je fais n'importe quoi. Pas avec Derval. N'en sois pas si certaine. J'ai quand même bien envie de me glisser dans son cachot pour l'étrangler. Oui, mais non. Tu es un bon capitaine. Oh, arrête. Tu vas me faire pleurer. Et après tout ça, quel va être le programme d'Eren de l'avant-garde? Je vais rentrer à la requête pour un temps. Puis retrouver ceux de mon clan et honorer la mémoire d'Ersa. De vraies funérailles. Bien à son image. Moins de discours, plus d'alcool. Tu seras un homme, mon fils. À ton avis, qu'est-ce que les Oseram vont faire à Derval? Oh là! Déjà, ils vont se disputer pendant un moment. Et quand ils auront décidé, il souffrira. Je vais pas m'en plaindre. D'ailleurs, ça se pourrait que je passe le voir dans sa cellule pour lui rappeler ce qui l'attend. Bon. Je sais, faut que t'y ailles. Des tueurs à traquer, des méchants à dompter, faut pas de course. Tu sais quoi? Quand on s'est rencontrés, je me prenais pour un gars important qui baratinait une jolie fille au milieu de nulle part. Ah, mais voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Mais je me rends compte que j'ai eu de la chance que tu m'accordes une minute. Essaie de pas m'oublier pendant que tu seras occupé à changer le monde. J'aurai toujours une minute pour toi. Peut-être même deux. Deux? Elle m'aime bien. Ah, c'est cool. Alors, il est stylé, Eren, franchement.
Au départ, bah, c'est exactement ce que je pensais de lui. Un mec complètement péteux, bourré aux hormones. La bière à la main qui drague une nénette. Et au final, bah non. T'as pas fini? Tu veux vraiment que je pleure? On se reverra. D'ailleurs, j'espère. Fait intéressant, parce que je ne sais pas quel âge a Lara dans les derniers épisodes. Ennemi de Méridien vaincu, trophée obtenu. Et donc Oh, je peux pas aller parler à l'autre connard. Ah mais non, je voulais parler à... Oh non. Je voulais lui parler, moi. Je voulais aller dans la cellule. Est-ce qu'on peut toujours y aller ou pas? Attendez. La quête. Annexe. Les quêtes accomplies, ce serait plutôt alors. Principal. Le soleil par les arènes. Nerval. Oh, bordel! Il a essayé de tuer le roi soleil. Je n'en reviens pas. Oh, où est-ce qu'il pourrait être? Eh, vous pouvez pas me dire où est Derval? Je ne pense pas pouvoir t'aider. Oh bah, bon ben bah, voilà, ça mérite d'être clair. Ce soleil qui se reflète sur l'acier m'empêche de voir quoi que ce soit. Je n'ai rien à troquer. Mais je m'en fous que tu vas y troquer, je veux que vous me disiez où est Derval. Parce que j'en sais foutre rien de pourrait être la fosse, moi. Alors attendez, il doit bien y avoir un méridien là, là. La fosse, ça peut être où la fosse? C'est quoi ce... Non? Est-ce que ça serait pas là? Ah, j'aurais tellement... Quand il disait facultatif, je pensais qu'on pouvait parler aux trois sans avoir forcément la possibilité... Enfin... En fait, je pensais qu'on pouvait parler aux trois en ayant parlé aux deux premiers, quoi, protagonistes. Viens acheter un coup d'œil à ces marchandises. Ah. Je suis deg, bordel. Ah, bah tiens. Tu viens te moquer, Nora. Eh bien, comme tu vois, je suis occupé. Je vois. Tu veux me narguer? Eh ben, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on rigole? Tu crois que ce bout de ferraille sur ton oreille te rend intelligente? Je suis sûr que t'aurais pas pu désamorcer ma pompe sans ce truc. Tu crois que je suis foutu? Tu rêves. Je me suis sorti de pires situations. Pendant que ces abrutis de prime source se chamailleront sur la façon de me tuer, je me ferai la belle, tu verras. Quand je me serai sorti de là, j'irai poser un appât que l'aura. Je dois l'avouer, ça fait mal de m'être fait repérer par un sauvage. Les Nora, dès qu'il y a plus de deux bâtons et un bout de ficelle, ils sont perdus. Pas rien de mieux à faire? Faire embrocher par une corde filante, par exemple? J'y crois avec ma petite lance améliorée. Et moi, je pourrais fabriquer la même, les yeux bandés et endormants. Tu chevauches des machines? Il faut que je sois impressionné. Traîne-en une à m'apporter à bouffer. Et on en reparle. C'est comme un caillou dans une boîte. Complètement insupportable. Si tu savais, je te hais d'une force. Un jour, je vais construire une machine destinée à t'arracher tes tresses à la noix. Par la grande flamme des forges. Fiche-moi la paix, là. Ouais, le dialogue de ouf qu'ils lui ont mis, quoi. Ah, je peux plus lui parler. Ça file même pas de trophée. Ah, oh, je suis déçu. Ah, qu'est-ce qu'on a? T'as de la chance. Alors, il nous reste celle-là. Qu'est-ce qu'on a, la zone corrompue? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, zone corrompue niveau 32.
Ah oui, c'est vrai qu'on aurait... Alors, compétences, on en a qu'une. Donc on s'en fout. Quête ! La fin du créateur ! L'identité de la femme inconnue. Allez, on est parti. On va faire la quête principale. Téléportation. Dans cette direction. On verra après pour ça. Ça, encore une fois, comme d'habitude, les feux de camp, je les ferai en off. Et si jamais on doit choper quelque chose, je ferai des vidéos, je ferai un petit melting pot des vidéos, bien entendu. Alors. Donc là, techniquement, il s'agirait d'Olin, si je dis pas de bêtises. La fin du créateur. Il est peut-être vrai que j'aurais dû acheter... Ah non, ça va, j'ai de quoi encore. Bon, alors. Alors. On est parti, hein. Donc, où se trouvait déjà le dernier... Ah, il se trouvait ici. Ah ! Bon, allez, on va le faire quand même. Il est pas très loin. Ça peut servir. Et dès que j'ai suffisamment des fric, et ce qu'il me faut, je vais acheter beaucoup, beaucoup de matos. Surtout des tenues, parce que bon, j'ai quand même la tenue... presque la tenue de départ, et je me prends des shoots dans la gueule assez méchants à chaque fois. Alors, il n'y a pas de... Ossement blanchi. Ossement blanchi. Ah bah je peux me TP ici. Bon, on va se TP là. Bon, c'est pas loin, ça sert à rien, allez. Boum. Alors c'est pas... C'était là hein, la zone je crois où on s'était battu. Enfin on avait vu Olin. Waouh, cette montée. Ouais, il me semble que c'est par là. Ah, c'est joli quand même. Tiens, un beau soleil. Ouah, qu'est-ce que j'ai vu là? Ah non. Je croyais qu'il y avait un message écrit dessus. Alors. Plutôt escalader par là. On va le savoir tout de suite. Non, il faudrait que tu sautes là, voilà. Et là, paf! Oh là 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 là! Aïe, ah, voilà, la zone blanchie, d'accord. Donc c'était ça. Donc j'ai rien oublié. Ah, tu es là, le grand coup! Je garde ça pour plus tard. Le grand coup, tu es là! De sable pourrait décaper une machine. Bon, j'ai pas envie de mourir. Petite TP. Bon, je pense que ça va être rapide là. Ah, vu comme ça charge. Absolument! Magnifique. Alors, le grand coup. Ah, on pourra aller chercher cette fleur. Ah, allez, on va faire un petit une petite parenthèse. On va chercher cette fleur de métal, machin et tout. Elle est pas loin, ça va. Voilà. Oh, elle est pas en hauteur, je sais. Bah, elle a l'air. Oui, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, justement, parce que je parlais de Lara Croft. Alors, je sais même plus si je l'avais dit ou pas, parce que j'avais été coupé dans mon élan. Ce que je voulais dire, c'est que je trouvais Aloy, justement, dans le cliché de la femme, blablabla. Eh ben, waouh,
Je trouvais Aloy, justement, beaucoup plus mature qu'une Lara. Non, vous allez pas me dire que c'est là. Ah, oh, c'était en hauteur. Ah. Oh. Et je trouvais justement Aloy. Alors après, chacun son avis, hein. Mais moi, je remarquais une Aloy un peu plus mature dans le principe qu'une Lara. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Aloy est un peu plus engagé et moins cucu la praline, hein, on va pas le cacher. Moi, c'est vrai que Lara, même si j'aime bien le personnage, parce que bon, j'ai quand même grandi avec elle par la suite de tout ce qui était Amiga, évolution de jeu, PlayStation et tout. Lara, bon, après, c'est vrai que j'ai fait pas mal de ces jeux. Je les ai quasiment tous faits. Et c'est vrai que dans les premiers, par exemple, les premiers Tomb Raider, il est vrai qu'on avait une Lara. Malgré qu'elle ait un peu son côté jeune, on avait quand même une fille un peu brute de pomme, un peu mature, etc. Mais je trouve que Aloy, en termes de maturité, je sais pas, je trouve que ça... Enfin, je sais pas, c'est complètement bête de dire ça, mais je trouve que la maturité rend mieux sur Aloy, en fait, que Lara. C'est complètement con. Je dois me préparer. Et son tempérament est absolument pas le même, en fait. Et je la trouve beaucoup plus... ouais. Dans la manière, disons que je trouve Aloy beaucoup plus avancée, beaucoup plus avancée dans l'âge, dans le raisonnement, etc., que Lara. Et les carapateurs, hein. Ouais. En même temps, c'est la zone. Alors par contre, vu qu'on est là, on va... Ah ben non, j'avais déjà activé le plus intéressant. Ouais, ouais. On va tout relaisser afficher. Alors il est où? Ouais, il doit être en hauteur de toute manière, il doit être sur ça, je suppose, comme d'habitude. Non, il est même pas sur ça? Ah, bah si. Malheur. Il est où là, pour escalader là? C'est par où? Ah d'accord. Chargé. Pourquoi il y avait quoi après? Non, c'est rien, c'est pas intéressant. Je recommence. Je suis venu mourir ici. Mais au lieu de me shooter dans la ferme de Wyatt, je suis sorti et je me suis baladé près de l'eau. C'est juste ici que j'ai eu l'idée. Et à partir de ce moment, j'ai su que je devais le faire. C'est suicidé? Non. Ouais, genre des parapentes, des montgolfières, des espèces de drones, des bateaux. Ouais, on a quand même fait un sacré bond dans le futur, mais un sacré bond en arrière en termes de civilisation, quoi. C'est fou! Enfin, je parle dans le jeu, hein, bien entendu. Hey, ça, c'est même pas des drones, c'est des avions futuristes, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il a raconté? Salut, maman.
Je suis venu ici avec un sac rempli de drogue. J'avais un plan, très simple. Je pensais me droguer pendant quelques jours, puis faire une overdose de Cyrus. Je crois que j'en voulais encore à Wyatt d'avoir accepté et soutenu ton silence. Si tout s'était passé comme prévu, mon cadavre aurait pourri lentement dans sa cabane pendant je ne sais combien de temps. Il aurait dû louer des robots de nettoyage industriel pour me décoller du sol. Un doigt d'honneur post-mortem. Et ça s'est pas passé comme prévu. Sans savoir pourquoi, je suis allé me promener avant de me droguer. Je marchais sur le rivage en pensant à toutes les fois où on m'avait marché ici en discutant. À la façon dont j'avais changé avec les années, alors que tu étais resté la même. Quand je bavassais sur mes cours de lycée, sur mes professeurs à l'université ou sur mes projets en tant qu'ingénieur chez Faro Automate, tu étais toujours là. Tu écoutais et tu t'intéressais. Tu m'as toujours encouragé et poussé en avant, bien sûr. Toujours plus loin, toujours plus haut. Mais j'étais là, seul, sur cette plage. Un raté. Pendant qu'autour de moi, les enfants poursuivaient des robots de jeux sur le sable. Les touristes bronzaient. Les familles s'églaboussaient dans l'eau ou filaient au bord d'un bateau rétro, ignorant tout des atrocités mécaniques qui les anéantiraient bientôt. Quelques instants au soleil, destinés à se terminer dans l'horreur, sans rien laisser derrière eux. Tout ton amour et ta dévotion, tous les sacrifices que tu as faits pour m'aider à réussir, à quoi ça menait ? À l'échec ? Et à quel prix ? On n'a même pas pu se dire au revoir. Et même si je n'avais pas échoué, si j'avais continué à réussir, qu'est-ce que ça aurait changé? Pendant que je grimpais les échelons chez FAS, la branche militaire de l'entreprise créait la technologie qui allait détruire le monde. Je travaillais pour le même maître. La réussite ne menait nulle part. Il a fallu que je tombe et que j'atterrisse au projet des projecteurs pour le réaliser. Je sais pas pourquoi. Oui, je n'ai réalisé que l'ironie de tout ça qu'une fois sur cette plage. Ce n'est que quand, suite à mon échec, j'ai été assigné au projecteur, un projet de capsule temporelle abandonnée, que j'ai appris que le monde était condamné. Plus que de l'ironie, c'était une plaisanterie cosmique. Alors pourquoi cette réalisation m'a inspiré? J'avais accès à cette technologie. Je savais que je pouvais le faire. Bien sûr, au bout du compte, ça servirait probablement à rien, comme tout le reste. Mais dans 50 000 ans ou plus, les données que je laissais seraient encore là. Ça ne serait pas grand-chose, mais ça serait mieux que rien. Je suis rentré à la cabane de Wyatt. J'ai planqué les drogues. Et j'ai appelé un pilote automatique pour retourner en ville. Si je voulais faire un pèlerinage spécial fin du monde, autant que ça ait de la gueule. Alors j'ai loué une Sabara. Et je suis allé chez FAS. Je suis rentré dans le labo. J'ai emprunté 12 tarières à projecteurs pour faire des tests. Je les ai mis dans le coffre de la Sabara et tu connais la suite. C'était il y a au moins 2 semaines. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Quand j'ai commencé mon pèlerinage, je me disais que je reviendrais ici pour reprendre où je m'étais arrêté. Me droguer, puis mourir. Et la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est brûler les drogues. Équivalent de 2 mois et demi de salaire pour détruire ma passerelle vers le néant. Je sais pas comment je mourrais, mais pas comme ça. J'ignore ce que tu pensais de mes problèmes avec la drogue, mais c'est arrivé. Je peux te promettre une chose en tout cas, je mourrai sobre. J'ai encore un projecteur à enfouir. Un dernier arrêt sur le grand pèlerinage mystérieux. Je te retrouve là-bas. Ah ah! Sauf qu'il y a... Il en manque 2 quand même. 3. Ils sont où les autres d'ailleurs? Ah oui, il y en a un là. Alors attendez, parce qu'il y a trop de trucs. Machines, marchands, zone de chasse. Voilà. Donc il y en a un. 2, 3, d'accord. On va aller chercher celui-là vite fait. Alors attendez, est-ce qu'il y a... On va chercher le feu de camp aussi avant. Quand même, soyons pas fous.
Le feu de camp, il doit être par là, je suppose. Il est où le feu de camp là? Ah oui, il est en bas, d'accord. Ah merde! Oh mais quel débile! Voilà, on commence à se prendre pour Assassin's Creed. Oh la merde! Quelle pin! Ça c'était génial. Ah! Ben voilà. On va le relire quand même, histoire d'eux, on sait jamais. Je recommence. Voilà. Je suis venu mourir ici. J'arrive! Tu n'as rien vu. Alors voilà, et on va se TP ici. Pour aller chercher l'avant-dernier, parce que comme ça, si je dois aller tracer tout en haut pour faire la quête principale, au moins on aura chopé les trois derniers projecteurs. La seule justice que Derval mérite. Là, ah, donc c'est là. La vérité est au bout de ma lame qui transpercera ton cœur. Voilà la seule vérité que tu méditeras, Derval. Ah. Allez, ouais, ouais, allez, ouais. C'est bien, mais encore un peu. Il y a un petit problème. Un petit... Voilà. Yeah! Yeah! Oh, c'est magnifique! Plus de place. Wouah! Un campement de bandits ordinaires, ça n'aurait pas fait l'affaire. Mais ça, ça c'est bien. Il y a un côté dramatique. Alors